Il est 11h30, un mardi du mois de mars, et nous avons décidé de faire une petite sortie gravel d'à peu près 165-170 km en Beauce. Ce qu'on n'avait pas prévu au moment du dessin du parcours, c'est qu'il allait pleuvoir toute la nuit. En fait, il a arrêté de pleuvoir il y a à peu près une heure, donc ça va être dégueulasse. Vous me direz, c'est pas très grave. Oui, mais j'ai lavé mon vélo hier. Je l'ai frotté, briqué dans les moindres recoins. Et là, ça fait 3 km que je roule. Il est déjà tout sale. C'est pas grave. C'est pas le pire. Le pire, c'est que je suis avec Fernand et Damien. Et que ce pauvre Damien s'est coincé le dos. Et là, ben, on peut pas se mettre en danseuse vraiment. On sait pas jusqu'où on va aller. Ce qui est sûr, c'est qu'on va aller lentement parce que Fernand a en plus la crève et que moi, vu que c'est trempé, ben, je vais aller tout doucement. Et d'ailleurs, je vais ranger ma caméra parce qu'on est sur un single track rempli de flaques d'eau et glissant et que j'ai gardé mes pneus Pathfinder qui sont... Et là, je vais m'arrêter. Voilà. Donc, je disais, j'ai gardé mes pneus Pathfinder qui ne sont pas du tout prévus pour un terrain glissant comme ça. Donc, j'ai peur. Allez, c'est parti. Parce qu'ils m'attendent pas. Au bout de 4 km de vélo, je t'explique pas dans 160 km la gueule que tu vas avoir. Bon, je vous avoue qu'avant de partir, j'ai un peu repéré et il y a beaucoup de possibilités pour éviter les champs. Parce que la catastrophe en Beauce, ce sont les champs. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente où j'ai testé les Pathfinder, je suis sur des chemins, on appelle ça des chemins de service, pris par les tracteurs. C'était tout sec. Sauf que là, aujourd'hui, ils vont être trempés. C'est une catastrophe. Fernand a déjà pété un dérailleur sur ces champs-là. Donc, on va peut-être les éviter. Ouais. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de kilomètres où ça va pas aller. Là typiquement on est sur ce qu'on appelle des chemins de service, c'est-à-dire des bouts de route à peine bitumés, bien cabossés, qui sont faites pour que les exploitants agricoles puissent passer d'un point A à un point B sans emmerder les mecs sur la route. Voilà. Et en fonction du passage des tracteurs, de la taille des engins, en fonction de la météo, bah c'est plus ou moins pratique, facile. Ouais. Et c'est là que le gravel est pas mal, parce que c'est bitumé. Je me vois pas là-dessus avec mon tarmac, parce que ça tapasserait sévère. Mais là, avec le gravel, ça va. Je regarde où on va. Je pense que c'est... Attendez, je vais vous dire ça. Il n'y a que moi qui ai la trace. Non, c'est là où c'est dégueu. Voilà, c'est là. Donc là, on sort du chemin de service, qui est bitumé, et on va là. Et là, c'est plus du tout bitumé. Hein? Ça va être super, non? On est venu pour ça, quand même. Ah bah, c'est un salaud, hein. Putain! Ce gars est détestable. Il en a l'allure et la mentalité. Il est détestable. Bon, ils vont pas m'attendre, je file. Là, c'est bien dégueulasse. Voilà. Moi, je ralentis et je monte. C'est là que j'y mets plus d'amour propre. Voilà. Je la rattraperai sur une bonne ligne droite, bien sèche. On va rentrer dans la forêt. Ça finit, ils vont attendre.
Ah, on sait pas où aller, hein. C'est par où? Non, c'est encore là-bas. Ah, c'est la clignote rouge. Ouais, parce que je t'enregistre ta sale gueule. Ah, Damien Prelon, pilorgé. Connard. Il veut son numéro, son 06. On dirait qu'à 2000. Faut que je pense à nettoyer les objectifs de temps en temps. Et c'est là où j'aime bien la philosophie du gravel, en tout cas comme je l'aime. C'est pas une course, donc je m'en fous d'aller doucement. Voilà. Et c'est tout autant amusant. Regardez-les comme ils filent, parce qu'ils ont pas peur. Alors je sais bien qu'à c'est aller vite, qui fait que l'équilibre, tout ça, mais je n'y arrive pas. C'est comme ça. Voilà, moi je vois ça, ça me fait flipper. Parce que je suis déjà tombé. Je suis sorti hier, j'ai fait un soleil dans une flaque comme ça. Et moi j'ai un cerveau à la con, qu'oublie pas. Oh là là, c'est dégueulasse. Je sens que j'ai aucune prise à l'arrière. Pédale dans la semoule. Des petits bois en bosse, hein. On n'a pas encore atteint les grands champs. Et là, ce qui est bien avec Fernand, c'est que là, elle est vraie cale, donc il va pas nous péter les couilles. Il peut pas tomber dans la boue. Exprès. Ben moi, ça me dérange pas si on va pas vite comme je fais là, tu vois, je prends mon temps. Je m'en fous de marcher dans la forêt, moi. C'était un peu grave. Oh la vache, mais faut vraiment être con. Déjà, on était là. Hier, on s'est dit qu'on était con. Oh, alors, mais là, on confirme. Surtout qu'on est double de kilomètres. Vas-y. C'est sûr qu'il était rincé. Oh la vache. Allez. Comment ça patine à l'arrière, je vous dis pas. Pourtant, je dois être à 2 bar max. Des crevasses. En plus, j'ai pas le bon coup de pédale pour le gras. Faut y aller en fluidité, je pense, et je sais pas faire. ⁇ 250 mètres à droite. Donc 100 mètres pour vous. Comment ça glisse sa mère. Tranquille. Ouais.
Ah, ça passait là-bas. Alors, je ne suis pas l'homme qui remonte le plus vite sur son vélo, hein. Après avoir passé un obstacle. Normalement, il y a un trou en face. Non, de l'autre côté. Un petit là, gauche-droite, droite-gauche. Là-bas. Putain, c'est les deux. Hein. T'as pas peur, toi, avec tes petits pneus tout fins, là? Non, ça va. Ah, c'est là. Marc, ici, quand c'est sec, ça va être sympa. Hein. Voilà, c'est de la canoë. Ça va la refaire cet été. Après, tu vois, dans la vallée de la Conie, c'est pas des parts de la région, je sais pas. Voilà, ça va, c'est juste que... Le long du bois, je sais pas. Moi, j'ai la trouille, c'est tout. Bon. Hein? Attends. Quand je vois une plaque, je pense à mon soleil d'hier. Ouais, c'est tout droit. On dit plus rien là, hein. C'est une action de demi-tour concertée. Bon, premier chemin vraiment dégueulasse. Alors, bon, un autre décharge. On sait que c'est un chemin qui va faire à peu près 300 mètres par là. Plus 300 mètres par là, alors que la route, elle fait ça et elle y va. Faudrait être con pour aller par là. Oui, c'est fois, surtout lui. Il n'y a aucune honte à ce qu'on est en train de faire. La preuve, c'est que on vous en informe alors qu'on aurait très bien pu ne rien dire. Allez, c'est parti. Petit bout de route. Oh non, mais là, c'est trop dégueulasse. C'est trop, trop dégueulasse. Puis je rappelle que Fernand a déjà pété un dérailleur sur ce genre de chemin. Et puis moi, j'ai pas les bons pneus. C'est vrai quand même, hein. Le mec il se rend pas compte l'aspiration. Même si à un mètre ça fait flipper quoi. Hein. Voilà, ça c'est un routier qui s'est doublé. Attends, il nous fait prendre un champ, donc on va analyser. Ouais, ça serait là. Mais en fait, normalement, c'est là. Mais bon, on va regarder. Hein. Après, on peut prendre la gauche au village, on va passer la salle. Parce que là, attends, je vais éteindre ça, parce que c'est la honte. On va encore changer de chemin. Non, mais là, ça va être impraticable, c'est sûr. Un petit moulin.
Ben oui, avant d'être le pays des éoliennes, c'était le pays des moulins avant. Hé, forcément. Kilomètre 37 300. On longe la foie ferrée. Alors c'est moins boueux. C'est de l'herbe. C'est glissant. On sent bien que c'est bien imbibé là. C'est où là? Là. Là, faut regarder. Il y a un petit décrochage là-bas. On est allé un poil trop loin. Pour passer derrière. Demi-tour. Il n'y a pas long, mais il doit y avoir un petit trou qu'on n'a pas vu sur le côté là-bas. Sinon, là, tout de suite, là, c'est un chemin, je crois. Ouais, mais c'est pas bon. D'accord. Nous, on doit longer la voie ferrée, en fait. Okay. Donc, il doit y avoir un petit chemin qui nous remonte. Je sais pas où exactement, je ne l'ai pas vu. Là, il y a une espèce de gribouillage. Là, il y a un trou. Bah si, mais après, il va où? Là, on peut pas traverser. Ouais, il y a un truc derrière en fait. Ouais. Bon, on y va à pied. Ça va se faire. Il n'y a pas un endroit où on peut. Il y a des arbres là, des pelles, hein. Bon, on va longer la voie ferrée, il n'y a pas de train qui passe là. Non. Bon, bah alors on peut longer la voie. Longer la voie, c'est. Est-ce qu'il n'y a pas un trou là quelque part? L'aventure. Non, mais là, regarde. On va le choper le trou en faisant ça. On est perdu. On est perdu. On attend le train. Mais en suivant cette voie ferrée, nous allons atteindre le refuge où nous trouverons alimentation et eau. De quoi survivre. Oui. Non mais je pense qu'à un moment donné on va trouver un trou là. Ah oui. Bah oui. Ah oui. Ayez confiance. Ça passe. Ça passe mais ça pique. Mais ça pique. Ça pique rien du tout. Mais qu'est-ce que ça pique? D'où tu sors toi? Ouais, mais je vais te laisser la trace avant vous. Bah oui, il y a un chemin là. Regarde, miracle, tu vois, il était bien de l'autre côté. Voilà. Eh ben, oui, ah, on est bien là. Mais ouais, on est bien là. Je sais pas où on l'a loupé le chemin, mais allez, putain, le vélo il est dégueulasse. Allez, c'est parti. Ouais. Chaussure, elle est morte. Alors fais gaffe parce que là ça fait pif paf pif paf poum. Ouais, c'est quelque part par là, ouais. Je sais pas. Non, c'est à gauche. Attends. Non, ça doit faire ça et descendre. Attends, regarde. Non, par là ça pique. Non, c'est bien ça et ça. Allez. Ah ouais, là c'est vraiment la jungle en fait. Ah, il y en a un qui voulait de l'aventure, hein. C'est un truc de coincé qui fait vroom vroom, moi. C'est pas du tout la trace par ici. Mais c'est pas grave, hein. Ah non, c'est pas du tout par là. Ouais, mais bon, là on est parti pour aller à Bordeaux. Hein. Bah, prenons-le alors. Non, c'est pas du tout là. Vraiment, j'ai un truc qui fait boum boum boum, ça m'agace. Alors, c'est je vais. Cœur, peut-être. Attends, j'ai coupé ça. Kilomètre 3980. On a rechopé la trace et c'est tout droit. Ça va tout droit pendant 450 mètres. Alors, ça monte légèrement. Ah, quelle aventure! Ah bah là oui. Surtout que il nous reste 120 km. Oh si, moi ça me motive. 120 km, c'est rien. Allez, je coupe, ça va pas rien. C'est des champs, et j'en ai filmé beaucoup, des champs. Ah oh bah là, on est mort.
Alors voilà, notre aventure s'arrête ici. T'as tout arraché, la chape de derrière et tout. Putain de sas. Bon bah elle est cassée. Oui, on se calme, on respire. Oh putain. Alors, on n'a pas de dérive. Alors regarde, souris, la vie est belle, il y a des animaux là-bas. Regarde, c'est pas grave, il y a des animaux. J'ai entendu un bruit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà, 40e kilomètre. Pourtant là, il n'y avait pas beaucoup de boue. Hein. J'avais pas tout à gauche, j'avais tout. Putain, c'est un truc de fou quand même. T'as pété la chape. Ah, t'as tout cassé là. Bon, ouais, comment on fait? Parce que là. Bah vous, on va faire comme l'autre fois, hein, vous allez continuer et puis. Non, on va t'accompagner à un endroit. Mais si. Ça a pété la on va t'accompagner à un endroit. Ça a pété la chape. Et puis. Ah oui, tout est pété. Et là, le derrière, il est mort, je suppose aussi. Bah là, oui. Parce que. Il est tout neuf. Bah, pas tout neuf, non, mais. Il vient d'être monté sur le vélo. Putain, mais. Attends, c'est pas possible. Putain, on n'a pas de dérichène comme des cons en plus. Ah, dans ton petit outil, il n'y a pas de dérichène, mon petit outil. Non, il n'y a pas le dérichène. Comment ça fait ça? À mon avis, ça vient de toi. Hein. Non, je déconne. Ainsi s'achève notre aventure après 40 km. Non, mais on va te raccompagner. Là, c'est bien. Heureusement, on est sur un chemin de service. Donc, il doit y avoir des maisons pas loin. On va passer un coup de fil. Attends, il tord pas tout là. De toute façon, tu sais, j'ai envie de te dire. Par contre, le truc qui fait chier, c'est que moi, pour te pousser, ça va être chaud. Non. Mais là, on est pas loin. Pousser, je vais appeler. Il y a une maison là-bas. La chaîne, elle est passée. Eh mais attends, la chaîne, elle est. Regarde la chaîne où elle est. Bah, elle est passée derrière le truc. Ouais, là, c'est ouais pas ça hein. Encore. Regarde, elle est là, elle est derrière. Ouais. Mais c'est remonté à mon c'est avis. Fou, ça. C'est quoi comme modèle? Bah c'est du Tegra quand même. Ah oui, ah oui. Oh. Ah oui, DI2. Mais c'est pas fait pour le tout-terrain ça. Mais si, moi, regarde, moi j'en ai un. Moi, tiens, mais vous êtes fous. Moi si j'ai pas gratté le levier. Attends. Ah putain, elle est coincée de chez coincée. Éloignons-nous doucement. C'est triste, mais c'est comme ça, que voulez-vous? J'ai la peine pour lui. Mais bon. Là, c'est qu'on est loin de la maison, quoi. Il va falloir rentrer. Bon, bah, ça aurait été une vidéo très très courte. Je pensais qu'on allait avoir quelques problèmes, mais pas si tôt. Pas si tôt. C'est la vie. C'est pour fixer ton visage. Radieux! Parce que là, on l'abandonne, on le laisse là. Ouais, on laisse là. Tiens, il y a un camion poubelle qui vient me chercher. Bon, là, nous, on va y aller. Et éventuellement, faites une boucle qui repasse par là au retour. Non. Ah oui, peut-être que vous trouvez mon cadavre en train d'être dévoré par les corbeaux. Nous, on va aller par là, du coup. On va prendre un peu plus de route. Mais on va être bien maintenant, je pense. Bah, disons qu'on n'aura plus des remarques à la con. Ça va tenir cher cet hiver. Allez, on est parti. Vive le sport. Vive le sport. Et le vélo, c'est pas un sport de riche du tout. Non. Putain. Allez, on est parti. Après, le camion va là-bas. Putain, il roule vite. Attention. Oui. Il va à 1000 à l'heure, lui. Une vraie route. On n'arrête pas de passer dans les petits hameaux, des tout petits patelins, une ferme ou deux. On voit personne. Et là, on arrive sur une grosse route. Là, c'est à droite. Laconie. C'est une petite rivière. Allez. Une rivière ounette quasi à sec. Pourtant, il est tombé de la pluie. Hein. Donc, l'idée, c'est de venir dans la vallée de Laconie aujourd'hui. Là, on y est, mais on a laissé Fernand au bord de la route. Nous, on a continué avec Damien. Et la vallée de Laconie, c'est joli. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors, ça monte pas violemment non plus. Hein. Mais on va dire que c'est un peu plus vallonné qu'en dessous d'Orléans. Hein. Et puis, ici, il y a plein de champs de lavande. On va continuer. L'idée de s'arrêter dans une boulangerie, ça me ferait du bien, moi. Histoire de marquer le coup, tu vois. Hein. Qu'est-ce qu'il faut parler aux toilettes, c'est bien. Ouais. La dernière fois que je me suis arrêté dans une boulangerie, j'ai chopé la chiasse. On va faire attention cette fois. Allez, on y va. Kilomètre 55 470. Voilà, y a rien, ni à droite ni à gauche. Là, y a du vent. Ça s'appelle la route de l'ancien moulin. On comprend pourquoi. Mais même si c'est gris, c'est pas désagréable. Avoir du soleil tout le temps, ça va être chiant aussi, tu vois. Laconie. Elle zigzague, cette rivière. Ah, ça monte. On va la faire doucement. Voilà, braquet tranquille.
De l'herbe. Alors là, on a le vent dans le dos. On est à 34 à l'heure. 35. Et j'envoie 120 watts. C'est vous dire à quel point le vent ça aide quand même. Comme quoi tout à l'heure, on est pleine face. Hein. Là, on est... Après 15 ou 20 km de route, on récupère un petit peu de chemin qui est aussi un peu sale. Bon, on va y aller mollo quand même. Parce que j'ai pas les bonnes jambes. Ça monte un petit peu là. Ah ben là, il n'y a plus d'air pour se protéger. De la gadoue. Enfin, je vais rouler doucement, parce que là, c'est vraiment ça glisse. Ah, un peu d'air. 200 mètres à gauche. Je vais aller chercher l'herbe du milieu. Faut vraiment être con pour venir ici. Oh la gadoue là, ça c'est de la boue, faut pas l'avoir dans le dérailleur. Alors qu'on avait un formidable bout de route bien bitumé. Bien gras quand même, hein. Dès que tu prends un peu de boue, ça colle. Hein. En fait, faut du watt ici. Ah. Et un peu de bitume. Qui va faire du bien. Alors je regarde mon bas, pour le moment c'est tout droit. Ouais, tout droit. Ça m'amèche ça. Ouais, comment tu me fous de la marque moi aussi. Comment la boue gicle. Ouais. C'est le kilomètre 71. Mètre 74, 110, c'est vraiment, vraiment une patinoire. J'ai aucune prise à l'arrière. Je tourne les roues dans le vide. C'est vraiment pas les bons pneus. Voilà, attends, c'est deux tours de pédale. Il faut vraiment que j'aille doucement. Un maximum de prise dans l'herbe. Damien, lui, il a des rasseurs. Bah, il est bien mieux que moi. Hein. Alors, l'idée, c'est évidemment de mettre le moins de poids possible à l'avant, mais c'est compliqué. Hein. Arbre. Je vais quand même descendre du vélo. Ah, t'es bien plié en deux, toi. Je te le souhaite. T'es jeune, tu récupères plus vite. Ouais, c'est vraiment le bas du dos en fait. Ouais, bah, lombagie, hein. C'est... Alors, elle est pas carabinée, sinon tu pourrais pas pédaler, mais. Ouais, sur le vélo, c'est impeccable. Oui, je pense que je fasse gaffe à pas trop me remplir. Allez hop. Quand je vois comment tu patines alors que tu as les rasseurs. Ouais.
Ah, c'est une vraie patinoire, hein. Ouais, ouais, ouais. Par calé. C'est bon. C'est dégueu, c'est difficile, mais c'est quand même très agréable. Regarde-moi ça comme c'est joli. Voilà, on sort d'un petit chemin et on voit ces trous dans la falaise. C'est assez joli, il y a une petite baraque, je sais pas ce que c'est, on entend le bruit du cours d'eau. Je sais pas où on est, mais c'est joli. Là, regardez, il y a des caves dans les... C'est même une maison. Hein, parce qu'il stockait là-dedans. Là, il y a quelqu'un qui habite. Et nous, on va aller ben, par là, en fait. On monte pas, hein? Non, non, je crois pas, non. Non, c'est tout droit. Tu veux monter? Tu veux monter? On peut monter. Ah, c'est un pareil. Non, non, c'est tout droit par là. Ouais, mais c'est tout droit par là. J'adore passer sous les ponts, moi. Toujours tout droit. C'est un peu bitumé. Kilomètre 75, 340 usine au bord de l'eau. Avec une cheminée, un chantier. ~150 à droite. Encore un petit peu. Mignon tout plein. Alors prends la route là. Ouais. C'est la nationale, il va falloir être prudent. Oh putain, il y a du camion. Zut. Kilomètre 76 560. Nous longeons le Loir. Petit cours d'eau tranquille qui donne une partie de son nom au département. C'est un peu plus vallonné que par chez nous, hein. C'est bien dégueu. On continue. Non, non, c'est la route, la route. C'est gourmand, toi. Avec le chemin, il appelle, là, mais... c'est la route, il doit pas mener au bon endroit. C'est toi qui as fait la crasse, hein. Ouais, moi, je vais monter à mon rythme, hein. On est à 6% là. Et plus de cuisses. J'ai pas envie de me cramer la gueule, il reste 100 bornes. ~200 à gauche. Là à gauche. Non, on n'est pas habitué. Heureusement, j'ai les capteurs pour gérer. Hein. Kilomètre 78 830. En fait, c'était un petit détour parce que le cours d'eau, on ne peut pas le suivre. Donc, on est monté et maintenant on redescend. Mais on va redescendre par, par un petit chemin humide.
vent commence à être un peu frais, hein, parce que là j'ai un peu transpiré moi, oula. Ça passe ? Oh. Ça glisse. Attends, je vérifie que ce soit bien par là, mais on dirait bien, putain c'est joli. Ouais, c'est ça. C'est joli en bas, là, on est en hauteur. Allez, à deux à l'heure. Laisse aller le vélo, laisse aller le vélo, mon grand. Voilà. Faut pas tout faire, hein. Piloter, regarder la trace, essayer de sortir la caméra. km 80 640. Je crois que nous approchons le château d'Ain. Euh, 200 mètres à droite. Ce petit chemin là. Ouais. Ici, s'il n'est pas trop dégueu, oh, ça va passer. J'ai l'impression que c'est moins gras qu'au départ. Mouton. Ah, oh, il y a des bébés. Il y a des moutons. Le joli château. C'est le château de Châteaudun. Nous cherchons une boulangerie. Parce qu'il commence à faire un peu faim. Mais comme on ne connaît pas du tout la ville, ça va être compliqué. On est perdu dans Châteaudun. On a demandé à la postière où il y avait des boulangeries. Elle nous a dit centre-ville. On est au centre-ville, ça n'arrête pas de monter. On trouve pas la boulangerie. Et mon Garmin, il devient fou à force de recalculer l'itinéraire. Bon, on s'approche, ça sent le pain. On a trouvé la boulangerie, on s'est ravitaillé, on va aller s'asseoir pour manger. Ah bah tu t'assois là toi, il y avait une petite place là-bas, sympa. Ah bah si tu veux, on peut aller là-haut. Ah t'es tellement fatigué, bah oui, on va aller à la petite place quand même. Je suis fatigué, non j'ai mal au dos. Vas-y, lève-toi, fais-moi rire. Vas-y, mets-toi de profil. Non, justement. Pour que tu te souviennes quand tu seras vieux. Ah, ton chien là, hein. J'en chie un peu, ouais. Ah. Plutôt faire tes conneries, on va manger là. Petite lombalgie. Voilà, un banc, une poubelle. On est pas mal là au centre de Châteaudun. Alors ça, c'est comme un pain au chocolat, mais version longue. Voilà. Une barre au chocolat. Ouais, c'est une barre au chocolat. Une barre au chocolatine. Alors moi, je descends du vélo, hein. Je prends pas l'escalier. Hein? Alors, avec ton dos, je te le déconseille. Tu veux que je te le descende? Je vais le laisser rouler. J'ai descendu 4 minutes. Voilà. Et il y a un autre escalier là-bas. Ah ouais, c'est vraiment super. Oh là, putain, je mets. Ça glisse! Ça glisse! Mais non. On était au pied du château. C'est très joli, c'est très médiéval. Moi je glisse, et putain je glisse. Alors attends, du calme. Tout doux bijou. Ah, c'est les pavés là. Ils sont super glissants à mort. Allez, cette maison à colombage, comme elle est jolie. Putain comment je... Ça glisse à mort. Regarde. C'est joli, hein, putain. Allez, je range tout ça parce que je voudrais pas me péter la gueule. Non. Pas là ? Si, c'est là, c'est exactement là. Oh la vache ! On va y aller tout doux, hein. Eh, redémarrer comme ça après manger, ça le fait pas, hein. Oh, pute vierge ! D'ailleurs, je vais y aller tranquille, hein.
Oh, j'ai le coca qui remonte. C'est le rallye 51 derrière. Oh, j'ai la barre chocolatine qui revient, moi. Bah, on était à 9% là. Ah, ça m'a surpris ma gueule. J'ai bien fait d'enlever les 3 kilos de terre. Au max là. Oh, pour descendre c'est 20% le max. Ouais, mais on sera pas arrêté prendre un pain au chocolat avant. Ah, on sait pas. Peut-être boire une bière. Oh, oh, elle m'a surpris celle-là. Ah bah oui, sympa. Kilomètre 89 800. Ah là, quand ça descend c'est mieux hein. Le merveilleux bruit de la roue libre. Allez. Oh là là, j'avoue que j'ai pas beaucoup de force. On se retrouve là-haut. Je vais monter ça tranquille moi. Oh, ça va. Ça va, je peux t'allumer ta mère. Elle est pas longue. Ah, c'est pas là. Fallait prendre la route. J'ai allumé ta mère, mais trop vite. Non, c'est le petit chemin. Non, 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 le pion, ça va. Attends, il est en train de calculer. Ouais, c'est là, c'est là. Arrête, je calcule pas. Et ça, c'est tout droit, en fait. Bah, c'était tellement attirant, cette descente en bitume. On va être bien, ouais. Bon, bah, à tout à l'heure. Oh, putain. Oh, putain, sa mère. Bon, bah, à tout à l'heure. Oh, je vais vraiment y aller à deux, moi. Je sais même pas si je grimpe là avec mes pneus. Ah non, ça je patine dans la semoule. Ça va passer. Ah, je tourne dans le vide. C'est passé. Mais c'est pas fini. Et plus de force. Ah, je suis à 15%. Le pain au chocolat, il est remonté. Oh. 17% au final. Oh, oh sa mère. Kilomètre 91 240. Ah sa mère. Ah, ça m'a détruit. Ah, je peux vous dire que la barre au chocolatine et le pain au raisintine, ainsi que le cocolatine, ils sont remontés là. Oh,
Ah, comment ça m'a défoncé la gueule. Allez, heureusement que c'est joli là. Oh. Allez, je reprends ma respiration et on continue. Bon, mais nous voilà sur la route, juste à la sortie du chemin. Ce qui est fou, c'est que quand t'es dedans, tu dis putain, c'est dur, c'est trop dur, c'est trop. Oh là là, que je fous là. Puis en fait, quand on sort, t'es content. T'es ravi de l'avoir fait, c'est un superbe passage. Oui, 91-570, regardez sur le Strava où ça en est, ce petit truc, mais c'était super sympa. Court, dur, mais sympa. Mais t'as plu cette montée? Oui, même pas mal. C'est violent quand même. C'est un peu violent. Surtout quand tu la connais pas, quoi. Surprise. Allez. La petite roue à aube qui ne marche pas. On est où là? Kilomètre 95-300. À droite. Ouais, c'est ça, à droite. C'est mignon. On va tomber dans l'eau. Oh, puis regarde la petite propriété là-bas, comme elle est sympa. Ouais, il a la vue sur la campagne, hein, sur, monseigneur. Bon, là, on attaque une montée qui fait 587 mètres à 6%. On va bien voir, je vais la passer vraiment en douceur. C'est parti. Je vais laisser Damien devant parce que moi, je m'en fous en fait. Je vais gérer. Il est bien plus puissant que moi. Ah, puis c'est bien gras. J'espère que je vais pouvoir la monter sur le vélo. J'ai pas les pneus là pour accrocher, hein. C'est gras. Ah, je vais pas pouvoir la monter, moi. Ah, j'accroche pas. Allez, en douceur. Pas d'à-coup. Ça patine derrière, pas d'un coup mon bonhomme. Là. Ça glisse, ça glisse. En arrière, en arrière. Ah, j'ai réussi à la monter. J'ai réussi à monter. Bah voilà, droite. Oh putain, j'ai vu que j'allais pas pouvoir. Ah putain, ouais. Bon, bah c'était la montée répertoriée de notre sortie. 587 mètres, 6% de moyenne. Mais en fait, ils l'ont fait démarrer bien bas. Parce que pour avoir 6%, hein, ils l'ont fait démarrer beaucoup trop bas, parce qu'au milieu, t'es à 14, 15, voire 17%, j'ai cru voir sur mon truc. Elle était compliquée parce que ben, c'est tout mouillé, là. Et j'ai bien cru que j'allais devoir mettre pied à terre, parce que j'étais sur le 42-50, et il fallait vraiment que je monte en souplesse. Fallait pas que je mette de grands coups, sinon ça patinait.
Mais bon, je l'ai fait. Je dois avoir de l'écume un peu partout sur la moustache et la barbe. Mais je l'ai fait. Je suis très content. Faudra qu'on revienne, Fernand. Faudra qu'on revienne. Allez-y. C'est parti. On a hésité à le prendre, ce petit bout de route, mais ça va. Attends, je le vois un peu paniqué. Ah, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Bah ouais, tant mieux. Bah voilà, on a bien fait. Là, ça tourne là, 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 là. Gauche. Gauche, 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 gauche. Alors, on va analyser peut-être. Là, ça pue. Bon, on va regarder où on est. Parce que là, c'était pas chiant. Allez, ça va. Alors, attends, je vais couper ça. Parce qu'on a le choix entre ça, là, dégueu, ou peut-être par là. Au moins dégueu. Au moins dégueu. Kilomètre 100. Ah, tout va bien. Ce qui est compliqué, c'est toutes les portions, comme on vient de faire là, c'est-à-dire des portions ultra glissantes, où il n'y a pas d'adhérence, donc forcément, ça complique les choses, mais sinon, ça va bien. Le pauvre Damien, il a le dos en vrac, et plus ça va, plus il a le dos en vrac. Mais comme c'est un peu une tête de con, il insiste, il ira bien, il va chez l'ostéo bientôt. Ah, je voulais vous montrer une belle bâtisse, à droite, là, mais... Et maintenant, il y a des arbres, c'est con. Oula, faut faire attention, on met ses roues. Ah ben, il est là, le château. Comme ça, on va le voir bien de face. Mon pauvre, à chaque fois qu'on s'arrête, tu souffres. Non, c'est toi là, tac, faut pas que je bouche. Ouais. Je garde le bon an. Je sais pas ce que c'est. Je regarderai en rentrant, mais c'est assez joli. Hein. Il a une belle vue sur le lac, le gars. Hein. C'est des tendus, un truc comme ça. Allez savoir. Allez, photo. Kilomètre 109-500. Là, on va se taper 14 ou 15 km de bitume. Mais au milieu de rien. Et là, dans les routes d'Amiens, je peux vous dire que. J'en chie alors qu'on roule pas vite, hein. Parce que même planqué derrière son gros cul, je suis obligé d'envoyer entre 150 et 200 watts. On voit les éoliennes au loin et on voit bien que le vent il souffle dans notre gueule. Allez là-bas. Putain, dès que je me décale, wouh! Ah, j'ai un moment de là, tiens. On sent que ça se rafraîchit aussi, hein. Ouais. Ah ouais. Et là, avec la transpiration et tout, on s'est tapé 2-3 montées où on a transpiré, hein. Bon, bah, à tout à l'heure, alors. Zou. Je peux vous dire que je suis pas le fier. Hein. Ça fait 10 km que je suis dans les roues de Damien, qui a vent dans sa petite gueule, mais il décolle pas des 27 km/h. Hein, il y va. Et moi-même planqué, j'en chie. Alors, ouh, là, on se demande vraiment ce qu'on fait là. Je me demande s'il y a pire que ça quand on fait du vélo, c'est-à-dire un bout de route, des champs et du vent dans ta gueule. Quel choc ! Faut rentrer de toute façon. Il est pas par ici la prochaine fois. Après c'est lui qui a fait le parcours hein. Faut pas qu'il se plaigne le gars hein. C'est le gros qui voulait venir ici. Ah bah oui c'est ça oui. Il est plus là. Vas-y il y a de l'abri là. Spécial dédicace à Fernand hein. C'est toi qui voulais rouler là mon salaud. Hein ? Bon pauvre on va se cotiser pour te payer ton dérailleur. Oh, les tas du vélo quoi. Ah putain oui tu m'étonnes, regarde c'est tout dégueulasse là, comment ça fait pour rouler ça. La vache. Et là ça roule, c'est dégueulasse. On s'est arrêté à remplir la gourde, on a pris la décision de faire un max de route en fait, parce que là on est dans le coin qu'on connaît assez bien et les chemins qui étaient prévus ben c'est vraiment des chemins pourris du genre qui niquent des dérailleurs. Donc on va
On va se taper de la route pour rentrer, là on doit être à 50 km de la maison. On va mettre nos affaires de nuit parce que la nuit commence à tomber, donc on va mettre nos petits trucs brillants là, notre petit éclairage. Et puis on va rentrer tranquillou, ça devrait le faire. Allez-y. Kilomètre 146-100. La nuit est en train de tomber. Mission sur Mauve. On a décidé de rentrer par la route, vraiment par la route. Je suis défoncé. Ben voilà, je suis arrivé à Orléans et je suis à 2,5 km de la maison. Ça me fera 163 km à peu près. C'était difficile, mais c'était très agréable. Heureusement que Damien était là pour me tirer sur la route, sur les 30 derniers kilomètres. Et c'est là qu'on voit que le gravel, c'est quand même super, parce que quand on a marre de rouler sur les chemins parce qu'ils sont dégueulasses, tu prends la route et t'enquilles. T'es pas obligé d'aller super vite, mais t'enquilles. Bon, je vous laisse. En tout cas, le mois prochain, en avril, je me tape les Flandres, Paris-Roubaix, et à la fin du mois d'avril, un petit séjour avec la Fédération Française de Cyclisme du côté du Mont Ventoux pour un truc spécial gravel. Salut! In this sterile room with blinding lights and faces